Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut, François. Bonsoir, Alex. François, euh, avant de parler de notre invité oui. ce soir, parce qu'on en a seulement qu'un, mais One tout un show. Exactement. Oui. Et avant de parler du club de natation du Haut-Richelieu, oui. parce qu'on va en parler également tantôt, je veux te parler de Tiger, parce que je lisais ça la semaine passée de oui. Tiger Woods. Ce que les commandites peuvent faire. Tu sais que ça a été le golfeur le mieux payé en 2014, oui. et ça a été une saison Catastrophique. Puis il a joué combien de tournois déjà? Je ne sais pas. 4, 5? Oui, maximum. Et il a fait 54,9 millions ouais. de dollars. Oui. C'est ridicule. C'est ridicule. Voilà. Puis c'est tout en commandite, on s'entend. Ah je pense ouais, que en non. bourse, il est allé chercher comme 1,2 million. Ah, même pas, peut-être. Puis tu sais, ce que moi, ce que je déteste là-dedans, c'est que les autres golfeurs, pas rire de lui, mais. Il n'est pas là, ce pas grave. Puis si vous êtes riche, messieurs, aujourd'hui, ouais. c'est à cause de lui parce que voilà. les salaires que vous allez chercher en 10e, 11e, 12 position, c'était les salaires que le gagnant allait chercher avant Tiger Woods. Vrai, hein? Mais depuis qu'il est là, ça a doublé, triplé, quintuplé les, les bourses. Il à se battre pour être là. Exactement. Puis les codes d'écoute, en passant, messieurs, même si vous ne nous écoutez pas, c'est zéro quand Tiger n'est pas là. Ouais, est vrai. Voilà. en tout cas, je veux juste dire à quel point <laughs> c'était ridicule et démentiel. Euh, les bourses. Au niveau commanditaire dans le golf. Ouais. Parle-nous un peu du club de natation du Haut-Richelieu parce qu'on a eu de très, très bonnes nouvelles, Oui, écoute, j'aimerais féliciter Aurélie, Justine, Maxime, toute l'équipe du Haut-Richelieu qui ont, qui ont été l'équipe championne ouais. à la dernière compétition de paranatation au Québec. Plusieurs médailles individuelles également pour les trois athlètes. Bravo. Ainsi que les membres de l'équipe. Donc félicitations à vous trois parce qu'on se connaît un petit peu plus et à tous les autres de l'équipe, par exemple. Des gens qui sont venus nous voir à Sport Express. Oui, bien évidemment. Oui. François, à tout, Seigneur, tout à l'heure, on va présenter notre invité de cette semaine, Monsieur fm M. RDS, mais également porte-parole du 24 heures Défi Leucan François Bessette. Oui, c'est le 12 heures, Alexandre. C'est 12 heures. Excuse-moi, je, je heure Leucan, ouais, exact. Euh, qui aura lieu à Ski le 14 mars prochain. Euh, écoute, c'est un événement à ne pas manquer. Euh, Chez, hein, tu as deux enfants, je suis rendu avec oh, oui, un enfant. C est, c est... La santé des enfants, oui. le cancer, il euh, faut donner, il faut aller, il faut s'impliquer euh, pour le Défi Ski 12 heures de Leucan à Ski Beaumont. Et François va nous en parler en première partie d'émission parce que tu le reçois également en deuxième partie. Je le reçois en deuxième parce qu'on connaît euh, le personnage, on connaît l'animateur radio et ouais. tout ça mais je voulais qu'il nous parle un peu de son rôle, d'abord quand est-ce qu'il a commencé dans le journalisme et tout ouais. ça mais on glisse un petit peu là-dessus. Mais à quoi ça peut ressembler l'univers d'un bulletin de les nouvelles coulisses, hein, un Les coulisses peu. coulisses intéressant. Alors, euh, il va nous en parler en deuxième moitié d'émission et pour tout de suite, on s'arrête cinq secondes et au retour, on parle du 12 heures des fileux avec François Bessette. C'est le samedi 14 mars prochain qu'aura lieu déjà la dixième édition du Défiski 12 heures de Leucan. Et on a la chance de recevoir mon ami François Bessette, qui est président d'honneur. Salut François. Salut François. Déjà la troisième année que je vais être impliqué avec Leucan, le, le Défiski 12 heures qui se déroule à Bromont. Et c'est un plaisir, un bonheur et un privilège d'être avec cette équipe-là, des gens extrêmement dynamiques. Euh, c'est une bonne cause. Écoute, bien, c'est ça, que je m'en ai dit. Tu sais, c'est une belle cause. Ouais. Beaucoup d'enfants. Je sais que les enfants, ça tient à cœur, mais pourquoi François Bessette a décidé de s'impliquer avec Le Camp? Ça a commencé il y a quelques années. La, ben ça fait trois ans que je suis président d'honneur. Ouais. Euh, il y a quatre ans, exactement. Avec, euh, je pense, c'était pas avec RDS, c'était avec Boum FM. Il avait décidé de prendre un, un quatuor pour aller faire du ski pendant la journée. Okay. Puis là, tout d'un coup, à la dernière minute, comme ça arrive, il manque deux personnes. il m'appelle ils disent Écoute, François, on sait que t'es. Euh, D'habitude, es en à RDS, mais tu peux tu... Puis là, j'ai décidé d'y aller avec ma fille, okay. avec Roxanne. On y a. on a été faire un tour et honnêtement... C'était une sapristie de belle forme. Toi, tu allais skier, là. Ah, j'allais <laughs> skier, j'allais avoir du plaisir. Et j'ai eu du plaisir parce que c'est bien organisé. Ouais. Sur place, il y a une foule d'activités à faire. J'étais avec ma fille, passé du temps de qualité, tu fais une descente à l'heure. Il y a plein d'affaires à manger, il y a plein de monde pour m'émérer. On passe une journée vraiment très intéressante, Pardon, tellement tu... que après l'activité, ouais. ben j'ai eu du plaisir, puis il y avait plein de monde qui venait jaser, tout ça. Les gens de Leucan sont venus me voir, puis ils ont dit "Écoute François, <laughs> est-ce que tu serais intéressé de t'impliquer J'avais jamais vraiment pensé ouais. à m'impliquer, mais quand la... on m'a posé la question, la réponse a été instantanée. Oui. Ça a été oui, oui parce que, et je fais une petite parenthèse là-dessus, je suis gâté par la vie. Euh, la vie est très bonne avec moi. Trois beaux enfants. J'ai trois ah. beaux enfants, trois enfants en santé. Et j'ai eu la chance au cours de, 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 des premières années, surtout quand je voyageais avec le Canadien, de ouais. faire la tournée des, des hôpitaux. Ouais. Avec le Canadien, avec les Alouettes, avec les expos de Montréal. Et tu vois les enfants malades. Et là, tu réalises que tu es vraiment gâté par la vie. Tu vrai. es vraiment chanceux d'avoir des enfants. Moi, là, j'ai vu des enfants là, avec des, 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 des grandes vedettes là, qui prennent leur temps de leur jaser. Là qui leur faisait du bien. Puis je suis arrivé à la maison, François, là. puis la première chose que je faisais, je prenais mes enfants dans mes bras, j'ai serré fort, là. puis je disais, « Ah! Wow! Ils sont en santé. » Mais tu sais, même toi, de rencontrer, euh, tu sais, je, je veux pas... T'es quelqu'un de connu au Québec, dans le monde des médias, juste pour les enfants qui regardent « Sport 30 euh, oui. le soir, qui voient... Hey, tu sais, le, 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 le petit garçon qui a le cancer, qui vient skier, qui veut... Euh, qui veut de, de voir François Bessette, qui peut être peut-être une un idole, ben, un modèle pour ouais, lui. Aussi, il y t'sais. en a qui, qui adorent les communications, ben, surtout ça. quand ils viennent faire un tour en studio, à la radio à la télévision. Ben oui. C'est toujours impressionnant. Euh, C'est drôle de voir leur réaction parce que là, ils me voient souvent euh, habillé en sport, ben oui. euh, la barbe pas nécessairement faite. Euh, puis je joue avec les enfants, puis des fois j'emmène mes enfants, puis on est là, puis on s'amuse, puis on a du plaisir. Puis là, tout d'un coup, ils te voient à la télévision, ouais. veston, cravate, ouais. tout bien peigné. Un peu comme aujourd'hui. Euh... manque la cravate. <laughs> oui, c'est ça. Mais là, tous les cousins, en enfants, est-ce que c'est la même personne? Ouais. Mais euh, moi, je le fais vraiment pour les enfants. À, de toute façon, tu sais, tu me connais, François. Ouais. Je ne fais pas ce métier-là pour être reconnu dans non. la rue ou que je fais ce métier-là parce que c'est une passion pour moi. J'adore ce que je fais et j'aime parler aux gens. J'aime prendre le temps de faire un brin de jazzette avec les parents. Et... Euh, M'impliquer avec Leucan, c'est tellement une bonne et une belle cause que c'est vraiment très agréable. Ils sont chanceux de t'avoir parce que moi, je peux le dire, la réputation de François Bessette, c'est François Bessette, il est pareil dans la vraie vie qu'il <laughs> est à la télévision. Avez-vous déjà vu François Bessette, pas de sourire à la télévision? Jamais, il est pareil dans la vraie vie. Donc, les gens de Leucan, vous êtes chanceux d'avoir un président d'honneur de la sorte. Je te lance des fleurs un oui, peu. Oui, merci François, c'est gentil. Prends-le, il n'y aura pas de peau. Okay. <laughs> On sait. Une chance. <laughs> Donc, on va parle-moi un petit peu du déroulement de la journée, les gens qui veulent donner, les gens qui veulent aller skier, Bien, comment ça fonctionne C'est pas compliqué. Hein? On dit participer, encourager ou donner. Si vous ça vous tente de participer, c'est vraiment pas compliqué. C'est comme j'allais dire une journée de golf. Ouais vous formez un quatuor, vous venez faire un tour, vous, vous amassez un minimum de 500 dollars et vous passez okay. une journée de rêve. Vous faites du ski pendant 12 heures. Euh, tout, est, tout est fourni. Il y a des spectacles sur place, des activités pour la famille. Euh, il y a des spectacles musicaux également qui sont sur place. Euh, si vous n'avez pas la chance de peut-être former un quatuor, vous venez faire un tour pareil, venir faire ben un ben ski, oui. faire un don faire, tout simplement, simplement pour, pour le faire un don, oui, oui, exactement. Vous allez faire un tour sur défiski.com et vous allez avoir tous tout, tout les détails. Et si jamais vous pouvez même pas venez faire du ski, restez chez vous, il n'y a pas de problème. défiski.com, vous bon, allez faire un ton en don. ligne. Hein? Ben oui, exactement, <laughs> puis ça va. C'est tellement une bonne cause, on aide tellement les familles de ces enfants qui sont malades que ça vaut la peine de donner. Mais François, on vous souhaite de la belle température oui. à Bromont cette année. J'espère que le chaud va être présent un petit peu parce que là, il fait assez froid. Hein? Oui, là, c'est froid, mais on a l'endroit idéal. Hein. Ski ouais. Bromont, c'est vraiment génial. Écoute, c est, c est, c est, on va se le dire, c'est rendu hot, Ski Bromont. Hein? Ouais, c'est très, très bien, une ouais. Félicitations, on a la, la place idéale pour aller faire du ski. C'est le 14 mars. François, il nous reste une minute et demie rapidement. Prendre des nouvelles de ton fils, Simon. Comment ça va, joueur ça, pour l'Université Clarkson dans la NCAA au hockey? Oui, ça va beaucoup mieux. Il revient d'une grosse, grosse blessure au genou. Ouais. Il a été opéré par l'Organisation du Canadien, Dr. Martineau. Il revient au jeu, enfin, ouais, il hein? est content et ça va très, très bien. Il a, eu, euh, il a joué deux des trois derniers matchs. Puis euh, ça va très, très bien, papa, maman. On est très, très fiers de Fiston. As-tu la chance d'aller faire ton petit tour aux États-Unis? Je comprends voir un peu, oui. Ah, hein? Écoute, dès que je <laughs> sais qu'il joue, là. Écoute, une fois, j'étais en non RDS. Quand il est revenu au jeu, je venais de finir un bulletin. Simon m'appelle, puis il me dit, Père, je joue ce soir. J'ai appelé ma femme, puis j'ai dit, Je finis mon bulletin, je vais te chercher, puis on monte. C'était à 2h15, Université non, ça, Clarkson, ça à, Potsdam, bien, hein? à Potsdam, New York. C'est tout un show. C'est le party d'un gradin. C'est vraiment exceptionnel. François, rapidement, là, il nous reste moins d'une minute. Moi, qui est un passionné de golf, oui. tu remplaces Michel Lacroix. Oui. Je vais peut-être en parler avec Alexandre tantôt, mais comment c'est de décrire avec Carlo Blanchard les meilleurs joueurs sur la planète, sur les plus Bien, beaux terrains de golf au monde? J'ai la chance de travailler avec Carlo, mais aussi l'équipe B, j'allais dire. Jean-Sébastien. Avec Jean-Sébastien, oui. écoute, il est ah. génial. Ah. Ouais. Mais c'est vraiment très, très agréable. C'est vraiment tripant de voir. Ces gars-là sont vraiment très, très bons. Avoir la chance de décrire L'action. Tout doucement, en silence, oui, en euh, silence. comme si tu étais Mais, sur le terrain. Honnêtement, je me fie aussi également à ce que j'entends sur Golf Channel. Ouais. Euh, quand il y a un coup qui est spectaculaire, je ne me gêne pas pour euh, lever le ton. C'est un beau trip de faire ça. Ah, C'est <laughs> génial. C'est vraiment très agréable. Ben, François Bessette, écoute, euh, on t'écoute tous les matins à Beaum FM en compagnie de notre amie euh, Amélie Paré, émission, euh, excellente émission le matin à Beaum FM. On te voit également sur les ondes RDS le week-end et on va te voir à Beaumont. Le 14 mars. Il faut y aller. est faire un tour. Merci, François. Merci, François. Dimanche, 9 h 30, bingo, On vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express et François, on se dit, tant qu'à t'avoir, on va, on va passer 30 minutes ensemble. <laughs> C'est gentil. François, nous, on se connaît depuis longtemps, mais j'aimerais ça que tu expliques aux gens, parce que, bon, tu es venu parler du fin 24 heures de Leucan et tout ça. Les gens t'entendent à Boum femme également, mais tu fais ça depuis combien de temps? Tu es journaliste depuis combien de temps, toi, François? Bien, ça fait déjà un petit bout de temps. Écoute, j'ai commencé en 87. Okay. Alors, faites le calcul, ça fait déjà un petit bout de temps. Euh, j'ai commencé à la radio, mais rapidement, après avoir… Euh... Je travaillais dans deux, trois stations de radio. Là. Okay. À l'époque, il y avait CHRS, CKLM. Ouais. Je travaillais à NTA, qui était la presse canadienne, mm -hmm. la radio de la presse canadienne. Et à cette époque-là, soudainement, il y avait une station qui venait d'ouvrir, TQS. Ouais. Et qui avait besoin de journalistes sportifs. Et entre autres, le grand patron, le grand manitou, était Charles Perrault, qui a décidé de faire un bulletin de 30 minutes au Québec de sport, à TQS, qui s'appelait Sport Plus. Ouais. Donc, il y avait besoin de journalistes. Il y avait besoin de quelqu'un pour tenir le micro. Il y avait besoin. Des, des, des personnes pour faire la, la job de bras. Là. Et les plus jeunes, François, parce que moi j'ai connu l'époque de TQS, qui est des télévisions quatre saisons et qui est devenue V plus tard, au même titre que TQS a mal terminé, ils ont été très révolutionnaires ah, au départ. C'était l'enfer. Parce que ce que, le, ce que les jeunes maintenant parlent de RDS, imaginez-vous à l'époque, TQS c'était ça. Là. Les matchs du Canadien, tous les matchs, de, bien, les matchs des Nordiques Nordique. de Québec, oui, oui. on faisait les matchs des Expos de Montréal et le Super Bowl. Il y avait tout ça, plus le bulletin de 30 minutes qui était Sport Plus, premier bulletin de sport au Québec. Ce bulletin a tellement été apprécié des téléspectateurs, 9, 10, pendant 10 ans de suite en nomination au Gémeaux. Euh, donc, c'était vraiment euh, la référence à l'époque euh, pour un bulletin de sport. Et ça a changé au, dernier, au cours des années parce que TQS a laissé tomber les sports euh, pour euh, laisser la place à RDS. Et maintenant, RDS fait un excellent travail. Parce que moi, j'étais chanceux quand j'étais chroniqueur en partie pour l'été, avec Chantal Lacroix. C'était encore les bonnes années, T'sais, 2000, oui. 2001. C'était pas encore avant le déclin. Alors, c'est sûr que c'était fort agréable, mais c'est ça. C'est pour ça que je tenais à, à ce qu'on oui. en parle. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardaient la, la, la fin de, de TQS et l'arrivée de V. Mais mm -hmm. ben, oui, on j'ai jamais eu d'hockey à TQS. Non, oui. non, je m'excuse, mais c'était quand ils sont arrivés, en 87, je m'en souviens. C'est. Ça avait été une explosion. Je me souviens de la première seconde que ça avait commencé. Il y avait eu un décompte et tout ça. Il y avait eu, je pense, le premier bulletin de nouvelles oui. vers les cinq heures. Je me souviens de ça. Avec Jean euh, Lajoie. Avec Jean Lajoie, avec exactement. Jean Lajoie. Exactement. Donc, exactement. Ce, sont, ce sont de beaux souvenirs. J'avais 9 ans. Alors je m'en rappelle quand même. Donc, pour les bulletins de sport, pour répondre à ta question, ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais des nouvelles à la télévision. Euh, il y a quelqu'un de TVA qui me disait dernièrement. Il n'y en a pas beaucoup au Québec qui, qui font des qui, qui, qui durent aussi longtemps aux nouvelles. Ça fait déjà un bon petit bout de temps que je fais les nouvelles à la télévision. Je veux qu'on en parle un peu des bulletins de nouvelles, François, parce qu'on te, comme je le disais tantôt, on t'écoute la semaine mm -hmm. à bout, mais en même temps, tu t'es un workaholic, on va se le dire. Tu travailles la fin de semaine également. Ben, tu lis les bulletins de nouvelles RDS Info, RDS, et RDS. Tout ça. Comment ça fonctionne? Parce que ce n'est pas vrai que tu arrives là, puis tu lis le télésouffleur, puis tu ah vas trois heures plus tard. Il y a, non, non. Y a, y a, un, y a un travail quand même derrière tout ça. C'est un quoi. gros, gros travail d'équipe et ça a beaucoup changé au cours des dernières années, justement avec l'arrivée des stations comme LCN, RDI et RDS Info. Ouais. Maintenant, l'information est disponible 24 heures sur 24. Donc, la salle des nouvelles fonctionne 24 heures sur 24. Il euh, faut comprendre une chose, on commençait par la fin. Euh, le bulletin de nouvelles, le dernier bulletin de nouvelles qui se fait, c'est à la fin des matchs de hockey right. à Los Angeles, des Kings puis des Ducks. Donc, à 2-3 heures du matin, on fait les derniers bulletins de nouvelles pour le lendemain matin. Lorsque j'arrive, moi, généralement, là, pour les bulletins de nouvelles, je fais le bulletin midi à RDS, 18h-18h30 à RDS et l'après-midi à RDS Info. C'est la même salle des nouvelles. Okay. C'est la même équipe qui travaille, sauf qu'on euh, est diffusé sur RDS ah, ouais. maintenant, RDS 2 et RDS Info. Lorsque j'arrive le matin à 10h, il y a déjà une équipe qui est là depuis 7 heures le matin. Il y a déjà des rédacteurs qui suivent l'action, qu'est-ce qui se passe en Europe. Donc, les textes ont déjà commencé à écrire, les images ont déjà commencé à être montées. Il y a un producteur qui est sur place, qui supervise le tout, et c'est planifié d'avance. Tout est planifié d'avance. Il y a des réunions pour nous dire, ben, écoutez, n'oubliez pas samedi la compétition de, de patinage courte piste euh, en Belgique, il ne faut pas manquer ça. Hamelin a une chance de médaille. Tout est déjà planifié. Doute est déjà sur horaire. Alors le rédacteur, les producteurs qui sont sur place ont déjà une feuille de route pour suivre qu'est-ce qu'il y a pour qu'on soit à la fine pointe de l'actualité. Quand je rentre en Londres à midi, ouais. c'est un nouveau bulletin, ou presque. Okay. Parce qu'on peut juste ajouter ce qui s'est passé le matin et c'est ce qui s'est passé en Europe. Donc le premier bulletin à midi... Euh, oui, les actualités. Qu'est-ce qui s'est passé la veille dans la Ligue nationale de hockey. Les derniers résultats en Europe, patinage à vitesse, tout ouais, ce qui est euh, la sport formule l'été. Formule 1, exactement. Et on commence avec nos reporters qui sont sur place à aller taquiner un petit peu pour aller nous parler du match du Canadien qui a lieu le soir au centre Bell. C'est ce que j'étais pour dire, parce que souvent, tu es là le samedi. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un duplex qui va se faire. Oui. Parce que le Canadien a déjà été sur la glace à midi, là, de toute façon. Oui, puis souvent, on a les commentaires de l'entraîneur Michel Terrien. J'ouvre le bulletin à midi, puis je dis aux gens bon, ben ce soir, le Canadien accueille la visite des Rangers de New York. Euh, Michel Terrien a parlé de sa formation et on a déjà les premiers échos de vestiaire. Après ça, après qu'on ait fait le bulletin de midi jusqu'à une heure, il y a des petits ajustements, ouais. tout est beau. Là, je laisse RDS de côté. On s'en va à RDS Info. S'il y a des matchs de hockey qui, qui se disputent l'après-midi, bien là, on suit l'action tout simplement. Souvent, on sert de, 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 du lecteur également pour faire les entr'actes au hockey okay. ou des sports qu'on présente sur RDS et RDS 2. Un match de football de la NFL présenté, bien, c'est sûr qu'on a nos analystes qui parlent de football, mais souvent, on va jeter un petit coup d'œil sur sur les matchs à l'étranger. Et ça, ça peut être nous qui avons qu la chance de le faire. Et à 16h, je reviens officiellement en nombre. On est à RDS Info, mais là, avec la grosse équipe. C'est-à-dire les reporters qui sont sur place. Des fois, on en a deux au Centre Bell. Ça peut être Luc Gilina, Chantal Maccabé, qui sont au Centre Bell. Un a suivi le Canadien, l'autre a suivi les Bruins de Boston. Euh, on a des reporters aussi qui... Tout ce qui s'est passé, là, on a des directs. Et personnellement, moi, je vais te le dire, c'est ce qui me fait tripper. Moi, j'aime ça, avoir la chance de parler aux reporters, euh, avoir la chance de jaser, faire les genres de pre-game show. Ouais. Alors, souvent, c'est vrai, je suis là le samedi le dimanche. Samedi, autrement dit, je suis là pour l'avant-match du Canadien. Et le dimanche, pour le football de la NFL. C'est vrai. J'ai des analystes et j'ai du plaisir parler sport avec eux. C'est un gars de radio à la base, fait que toi tu le direct que ça t'allume. Ah moi, ça m'allume. <laughs> euh, mais je dirais même que j'ai commencé à la radio, t'as raison. Sauf que euh, dès l'âge de 22 ans, j'ai commencé à la télévision et après, par la suite, j'ai fait que de la télévision. Jusqu'à 5-6 ans, à peu euh, près euh, ça à... fait maintenant 7 ans 7 que ans. je suis l'émission de, 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 du matin à boum. Donc, je suis un gars de télé, mais justement avec TQS et RDS, on est très allumé là-dessus. On a toujours des reporters un peu partout. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment très j'ai une question pour toi, parce que je vais sortir mon... Tu sais, maintenant, t'as toute là-dessus. Hein? Oui, oui, oui. On s'entend. Mm -hmm. Quand on va regarder le bulletin de nouvelles, des fois à 18h, c'est des vieilles nouvelles. Je sais que vous essayez de sortir des À 18h, c'est un nouveau bulletin. C'est un nouveau bulletin, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ce qui s'est passé dans la journée, on le sait déjà. Oui. Mais, la question que j'ai pour toi, parce qu'avant, est-ce que tu sors la nouvelle d'abord sur les sites Internet, maintenant où tu vas sur Twitter, c'est quoi votre prix? Est-ce que vous faites les deux? Comment ça fonctionne? Maintenant, avec euh, les médias sociaux, ça sort rapidement. Il y a une nouvelle qui sort, on y va tout de suite. Ouais. On a un excellent département, RDS.ca, qui est le site Internet le plus visité au Canada, euh, en tout cas au Québec, sûr et certain. Alors, eux, là, ils sont vraiment allumés. Il arrive quelque chose, on le met tout de suite sur le site. Il faut être les plus rapides possible. Dès que je vais en ondes à RDS Info, la capsule que je fais, là, si j'ai fait un fait saillant où je parle d'une mortalité ouais. ou quoi que ce soit, tout de suite, c'est mis sur le site InternetRDS.ca. Ça a changé complètement. Avant, dans le bon vieux temps, ouais. quand on faisait un précède, ça, c'est-à-dire ce que je lis avant ouais. le fait saillant, ce c'était pas compliqué. On disait par exemple, euh, ce soir, le Canadien accueille la visite des Browns de Boston. Les Browns qui ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. De l'autre côté, pa, 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 pa. maintenant, faut changer, parce que quand le bulletin commence, tu sais que le Canadien a battu les Browns ouais. de Boston. Tu peux plus, tu peux plus raconter la même, la même histoire. Alors maintenant. C'est différent. Ce soir le Canadien recevait la visite des Bruins de Boston. Excellente performance de Carrie Price. Encore une fois, il a fait la différence. Et les images commencent. À cause des médias sociaux, ouais. ça a complètement changé. Voilà. Ça a complètement changé, c'est plus la même chose parce que maintenant, tu peux être au resto avec ta blonde puis à chaque fois qu'il y a un but, RDS t'avertit qu'il y a un but. Je ne fais pas ça, moi, je ne les lis pas. Non, je le sais. Mais mettons François Trépanier. Ouais. Et lui, oui, lui a... oui, ben lui, oui, oui. Lui, François Trépanier est au resto. C'est ça. Puis ça lui dit. Il... Ben oui. Alors, quand tu écoutes le bulletin, maintenant, tu n'as plus besoin d'attendre à 11 heures. Tu peux l'avoir immédiatement à cause des LCN, RDI, ouais, RDS exactement. Info. Tu peux l'avoir quand tu veux ou tu vas sur RDS.ca et tu as les faits saillants. Bien, justement, tu la connais déjà. Tu connais le gros de la nouvelle. Alors, get to the point, tu donnes l'information très différemment maintenant. Ben voilà pourquoi je voulais t'en parler. Parce que, écoute, on, on regarde les bulletins de nouvelles, mais il y a tellement de travail derrière tout ça. Et la semaine prochaine, je te le dis, un collègue à toi qui s'en vient ici, qui est un ami à moi, qui a déjà gardé des buts pour moi quand je coachais au hockey, Patrice Maréchal, okay. le gars qui vous rend brillant avec les statistiques à RDS. Ah ADS. oui, écoute. Alors, moi, je veux savoir également comment ça fonctionne. Parce que je sais que des fois, moi, je, je, je ris tout le temps quand j'entends les gens au football dire… Il y a tant de pourcentage de postes de toucher quand il fait beau, quand il pleut, il va chercher ça où, Écoute, ces affaires-là. Ah, c'est incroyable. Maintenant, avec l'Internet, tu suis, tu peux suivre un, un événement sportif, et c'est complètement différent. Tu as raison, souvent, on dit des choses. Tu sais, il y a des gens qui disent Moi, j'aimerais ça travailler euh, avec vous autres là. Je connais plein de statistiques pas besoin de les connaître, c'est tout écrit maintenant sur Internet. Puis il y a des gens, on commence l'émission parce que je fais de la programmation maintenant, euh, je fais le golf, j'ai le bonheur, le plaisir, le privilège de remplacer Michel Lacroix au golf de la PGA. Avant de commencer l'émission, justement, nos recherchistes arrivent avec une pile d'informations. On n'est pas vraiment intelligent, je vous le dis tout de suite. Mais non, mais... Pas vrai. <laughs> non, non, mais, non non, mais... Non, tout ça pour dire que c'est vrai. Écoute, j'ai reçu les, 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 les notes du match du Super Bowl. Je t'enverrai ça, ça n'a pas de bon sens. Je pense que 180 pages. Je doute pas. Écoute, tu sais quelle couleur de lacet des souliers que Brady met quand il va souper le samedi soir. Tu as tout, 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 tout. Il y a des gens qui travaillent pour amasser cette information-là. Voilà. Et Dieu merci, ils sont là. Puis des fois, ben, Toi, il a dit que tu connaissais bien tes affaires. Mais ne suis pas ça pour jouer ah du violon. Hey, François, merci beaucoup pour ça le me fait 30 plaisir. Minutes. Toujours un plaisir. Merci d'être impliqué avec lequin également. Quand on a des enfants en santé, des fois, ça nous fait encore oui. plus réaliser. À quel point, mais t'es bon. Peut-être que je devrais. Moi, ça vient me chercher au droit ah au ouais, cœur. C'est vraiment. Je pourrais vous en parler. Merci, François. ça fait plaisir. Nous sommes de retour à Sport Express et euh, tantôt avec François, on a parlé du 12 heures des Leucan. -le François. Oui. Et euh, je voulais absolument saluer des personnes qui nous sont très très chères. Oui. On parle d'Émilie Dagenet et de sa maman Aline, mais en fait toute la famille. Oui. On voulait juste leur dire un beau bonjour qu'on est avec oui. vous. Puis, tu sais, des fois, tu portes des gestes sur des personnes. Dis nous, ça a été banal parce que cette petite fille-là, c'est elle qui nous fait vivre des émotions. Oui, on s'entend là-dessus. Et on avait décidé de parler avec elle de son histoire, oui. à quel point elle était bonne à patinage artistique. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point elle avait trouvé ça le fun et intéressant de venir à Sport Express. Oui. Pour nous, c'était banal parce oui. que c'est nous qui étions contents de la Mais recevoir. Oui. On, se, on se comprend là-dessus. Et de voir que tu peux changer le cours d'une vie d'une oui. jeune femme... Qui a énormément de courage. Alors, on voulait juste la saluer ce soir, puis dire à elle et sa famille qu'on est avec elle. On lui a fait un beau clin d'œil la semaine dernière oui. avec sa bonne amie Justine Brasseur. Hein? Exactement. Donc, on vous salue bien. Deux bon demoiselles qu'on aime. Oui, voilà. François, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'a même... <laughs> pas le choix parce que c'est le retour du NASCAR. Je oui. le sais à la maison, vous disiez, on était bien lors des 20 dernières semaines. <laughs> Mais, on voit Claude qui fait quelques magrets derrière exactement. la caméra. Exactement. Et pour eux, euh, l'arrivée de la Saint-Valentin, c'est une jouissance, <laughs> mais dans, d dans un autre euh, sens du terme, François. Ouais. Alors, c'était. Je vais vous le lire parce que vous connaissez ma passion pour le NASCAR et à quel point François et moi, on est arrivés devant nos écrans dimanche. Ouais. Alors, le week-end dernier a eu lieu le début des activités de la saison 2015 de la série Sprint en NASCAR. Et le tout a débuté samedi le 14. C'était ouais. la Saint-Valentin, François, sur l'Oval de Daytona. La présentation de la course, c'était le Sprint Unlimited. Ça a été remporté par Matt Kenzett devant Max euh, Martin Truex Jr. Oui. et Carl Edwards. Il me semble que Martin Truex Jr. ça va être lui mon bien connu dans sa famille oui. cette année. <laughs> euh, il n'était pas en Nationwide devant lui en tout cas. Il n'est pas c'est ça. Il était là oui. et hein, puis il commence peut-être sur la Sprint. Bravo pour toi. Et dimanche le 15 février ce dimanche, c'était, nous avons assisté. Hein, à la formule qualification en groupe qui a causé des maux de tête à plusieurs pilotes. Et j'ai parlé avec Claude avant l'émission. Il oui. m'a dit que ça a causé des maux de tête à Claude également. Il ne savait plus regarder. Oh, okay. Il était tout mêlé. Et cette séance de qualification-là a permis à Jeff Gordon, qui a annoncé sa retraite au terme de la prochaine saison, oh. terminée pour Jeff Gordon, il va peut-être faire des annonces de Pepsi. On sait que c'est très ça payant ça vrai. également. Euh, et donc, c'est en gagnant la fameuse Sprint Unlimited, c'est ça? Il... Non, non, pas en parlant. Non, c'est ça. C'est une qualification. Ah, il va partir premier. Ça, on va te bien regarder ta course. <laughs> Exactement. Donc, Gordon et Jimmy Johnson, qui lui a terminé deuxième, j'imagine. C'est pour deuxième ça. Voilà. Ouais. Deuxième meilleur temps. Les autres vont partir 1 et 2. OK. Mais là, ça ne se termine pas de même. Parce les autres, ils se disent pas, on va faire une <laughs> séance de qualification et c'est terminé. Non, 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 non. On va faire ça jeudi. Alors, ce jeudi. Les 41 autres positions seront déterminées lors de la présentation du Budweiser Duel. À quelle heure, ça? Est-ce que Budweiser nous commandite cette année? pour le marquer en gros. Alors, c'est Budweiser Duel. C'est ce jeudi le 19 février à compter de 19 heures. OK. Il y a du hockey, hein? Oui, parce que le Canadien <laughs> joue quand même pas mal de matchs ouais. cette semaine. Et donc, euh, cette semaine d'activité va se terminer dimanche le 22 février avec la présentation du Daytona 500 à compter de 13 heures. Et ça, je vous le dis, c'est long. Le détournant 500. Ouais. François, si on veut venir nous voir en studio? Oui, on nous écrit à ex tvhr 9com Toujours également possible de communiquer avec nous par Facebook sur nos pages personnelles. Ouais. N'hésitez pas à nous envoyer une demande d'amis. On accepte tout le monde et on répond à tout le monde également. On vous invite à liker la page de Sport Express, ouais. liker la page de la télévision du Haut-Richelieu et également liker la page de télévision Rive-Sud, ouais. où on est diffusé sur la Rive-Sud de Montréal. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et Salut. on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.